Je crois que j'ai besoin d'appuyer sur un de ces boutons. Qu'est-ce que je dois choisir? Bon, je pense que je vais appuyer sur le rouge. J'espère qu'ils ne laisseront pas tomber quelque chose de lourd. T'inquiète pas, Quentin. Ce ne sera pas un gros problème. Tu prends le papier toilette. C'est doux et pas lourd. Attends une minute. Je dois prendre tous les rouleaux. Voilà. Tu peux commencer. J'espère que tu vas aimer. Je me suis donné beaucoup de mal et j'ai choisi chaque rouleau juste pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est beaucoup de papier toilette. Et pourquoi faire? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le pire des choix possibles. Mais je sais ce qu'il faut faire. Je vais essayer de faire semblant d'être une momie. Eh bien, Quentin semble être satisfait. Je peux aller voir Lily. Suis une momie. Élément étranger dans le système. Il faut l'éliminer. Activation du mode. Oh oui, brillant. Qu'est-ce que vous faites? C'est moi, Quentin. Oh. Oh, du papier brûlé. Pas ça. Ça peut déclencher un incendie. Oh, je pense que c'est terminé. L'élément extraterrestre a été éliminé. Je peux passer au deuxième joueur. L'énergie, il n'y a plus. Il n'y a plus d'énergie. Compris, il faut besoin de recharger les batteries. Maintenant, il faut attendre un peu. Eh bien, commençons. Je connecte les fils. Comme ça, c'est bien. Voilà, c'est bon. Je pense que je vais devoir choisir un bouton pour l'instant. Je penche pour le jaune. Mais c'est rien d'appuyer dessus. Allez, Lily, reprends-toi. Oh, il n'y a rien qui se passe. La batterie est presque chargée. Il ne reste pas grand-chose. Voilà, c'est super, ça a marché. Je dois aller voir le deuxième joueur. Lily, je suis en route. Il y a quelque chose d'intéressant qui t'attend. Oh, il y a quelqu'un qui se souvient de moi? Je n'ai assez d'appuyer sur ce bouton stupide. Combien de fois? Rien ne se passe. Donnez-moi juste une réponse. Oh, quel désir prononcé de joueur. Je suis fière de toi, Lily. Tu recevras de l'eau, de mer et des algues en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que c'est humide? Je n'allais pas de prendre une douche. Il y a exactement autant de portions que t'attendent que t'as appuyé sur le bouton. Je suis sur le point de me noyer. Il y a trop d'eau. Laissez-moi. Oh, je peux enfin respirer. C'est si bon. Je n'aurais pas dû appuyer autant de fois sur le bouton. Prends ça. T'en auras besoin. Oh, c'est comme être au fond de la mer. Il y a quelque chose de spécial. Il faut attendre que l'eau s'en aille. Oh, je suis pas la seule ici. Il y a beaucoup de poissons. Il est temps de commencer le deuxième tour. Bon, je ne vais pas refaire mon erreur. Je vais appuyer qu'une seule fois sur le bouton. Oh non, c'est sorti par accident. Lily a déjà fait son choix. Je suis sûre qu'elle va adorer cette pizza. Pizza? Génial, je n'avais pas tort. Est-ce que finalement j'ai eu de la chance? Je suis si heureuse que la chance m'a souri. Merci. Je propose d'ajouter un peu de fromage râpé. On n'a jamais trop de ça sur pizza. Lily, voilà. C'est tout pour toi. Sers-toi. T'as besoin de refaire tes forces. Du fromage. Oh non. Je suis tellement heureuse. Vas-y, encore, encore. C'est cool. C'est génial. C'est encore plus appétissant comme ça. Je n'ai jamais vu quelque chose de si appétissant. J'ai tellement faim. Je pense que je vais ajouter plus de fromage. Je ne vais pas laisser ça. Je vais juste ramancher ce qu'il y a sur la terre. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas du tout à du fromage. Oh non, c'est une souris. C'est une souris vivante. Sors d'ici. Bizarre, d'où vient ce bruit? Oh non, sors d'ici. Oh, une souris volante, c'est incroyable. Laisse-moi sortir d'ici. Oui, je l'ai. Allez bébé, atterris. Je ne vais pas laisser te blesser. Tu n'auras pas besoin d'une parachute. T'es si mignonne. Vas-y, cours. Va voir Lily. Et voilà, je vais voir Quentin. Waouh, c'est déjà mon tour. Et je n'ai toujours pas fait mon choix. Bon, que ce soit le bouton vert. Au moins, il y a quelque chose de bien derrière tout ça. Félicitations. Au fait, t'as fait le bon choix. La couleur verte ne t'a pas laissé tomber.
T'as droit à un soin entier de chewing-gum. Je les mâcherai bien moi-même. Mais je ne peux pas. Ce sont les règles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose de rose. Ouais, de chewing-gum. Je n'aurais pas dû être si inquiète. C'est de la chance. Génial. C'est beaucoup de chewing-gum. Je pourrais me baigner dedans. Mais c'est mieux de les manger après tout. Et si je soufflais une bulle? Ouais, je pense que je peux le faire. Oui, c'est génial, ça s'envole. J'ai besoin de plus de bulles. J'ai organisé une fête de ballons. Je suis sûre que ça sera très amusant. Ouais. Wow, il y en a tellement. Ouais, je ne m'attendais pas à cela de ma part. Un ballon? Quentin semble avoir décidé de gonfler tous ses chewing-gums. Salut, rejoins ma fête des ballons. C'est moi ou il essaie de s'échapper? Oh non, il ne va pas faire ça. Activation du mode œil laser. Oh, qu'est-ce qu'il arrive à mes ballons? Je vais tomber. Je suis content que t'es de retour, Quentin. Lily et moi avons eu le temps de nous ennuyer. Quel bon timing. Oh, je me suis retrouvée coincée. Oh, ce n'est pas agréable d'être coincée à l'envers comme ça. Laisse-moi t'aider. Félicitations pour ton retour à la maison. Je suis contente que nous soyons tous ensemble. Ma tête. Oh non, ça tourne et ça vole. Voici notre tour. J'espère que vous avez bien appris les règles du jeu. Oh oui, j'ai déjà fait mon choix. Bien joué. C'est la vitesse. Le jeu s'accélère. J'adore ça. Quentin, j'ai de bonnes nouvelles. T'as des beignets pour ta détermination. Bon appétit. Ce sont des beignets? Pas du tout. Il y en a beaucoup. Ouais. Je n'ai pas assez de mains pour les attraper tous en même temps. Boum, c'est bon. Ces beignets me donnent tellement d'énergie. Ça me donne envie de bouger, de chanter, de danser. Je suis éveillée en pleine énergie. Oh, mais non, je m'étouffe. Au secours, je ne peux pas respirer. Oh, j'ai besoin de faire sortir cette boule coincée dans ma gorge tout de suite. On t'a pas dit que ce n'est pas bien de jeter la nourriture par terre? Je n'aurais pas dû renvoyer ça. Oh. D'accord, je mangerai quand même. Quel est le problème? Je suis là. C'est ton tour. Je vais pointer mon doigt vers le ciel cette fois-ci. Il s'avère que ce n'est pas aussi facile que je le pensais. J'ai enfin réussi. Voyons voir ce que c'est. T'es moins déterminé que Quentin, mais quand même, je te félicite aussi. Dommage que tu n'aies pas eu beaucoup de chance cette fois-ci. Je sais pas pour toi, mais je ne voudrais pas finir couvert de colle. Mais on peut pas l'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu verses sur moi? C'est de la colle? Pas du tout. Ouais. C'est dégoûtant, c'est coulant. Christopher, il n'en reste plus grand-chose. Oh non. Mes bras sont collés à mon torse. Aidez-moi, je ne peux pas bouger. Ah, j'ai appuyé sur un autre bouton. Oh ça, je n'ai besoin de rien d'autre. Wow, Lily est impatiente de jouer. Inattendu, mais très louable. Eh bien Lily, tu vas avoir droit à de magnifiques paillettes. Tu vas l'adorer. Pas dans cette situation. Ça va se couler à moi. Attendez, c'est assez. Je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, je ressemble à un sapin de Noël. Oh, je pense que c'est bien. Tu brilles? Et c'est cool. Waouh, c'est génial. C'est comme une boule disco. Mais tente de la musique. Oh, la fête. Oui, la musique à fond. Faisons bouger cette piste de danse. Oh, oui, tout le monde danse. Suivez mon exemple. Vous pouvez le faire. C'est tout, les gars. Bon travail. Et encore. Continuez. À droite, à gauche. C'est génial. Le challenge est sur le point de se terminer et j'ai encore peur de faire mon choix. Quoi choisir? Je sais même pas. Bon, peut-être le bleu? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-moi. Lily, t'es si imbécile. Malheureusement, cette fois-ci, c'est justifié. Je n'ai rien pour te faire plaisir. Oh, ça pue! Je ne peux pas respirer. Mes yeux sont même en train de pleurer. Il faut faire quelque chose. Je vais essayer de boucher ce trou. Heureusement que j'ai un bouchon. C'est beaucoup mieux. Les poissons, non, surtout pour Lily.
Bizarre. D'où vient le bouchon? Je ne comprends pas. Ça m'empêche de poursuivre le challenge. Il faut l'éliminer. Ma tête! Ça fait mal. Tout est flou devant mes yeux. Je pense que je vais m'allonger. Voilà, maintenant, nous pouvons continuer. Lily, prends ton poisson. Regarde combien il y en a. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu jettes tout ça? Je ne veux pas du poisson. Je ne veux pas ça. Oh, c'est dégoûtant. J'ai besoin d'un masque à gaz. Bon appétit. Oh, un autre poisson. Vas-y, Lily. Ouais. Je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Il faut viser plus précisément. C'est cool. Oh non, pas encore. J'ai un poisson à l'arrière de mon cou. Comment je peux le faire sortir? Je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin, Lily. Quand le temps s'est mis déjà, il est temps de lui rendre visite. Il a alors temps de faire un choix. Pourquoi est-ce que c'est toujours si difficile? Oh, quel bouton intéressant! Il doit y avoir quelque chose d'inhabituel derrière tout ça. T'as raison, Quentin. Mais avant d'obtenir ce que t'as choisi, tu ferais mieux de mettre ton casque. Un casque? C'est très étrange. Si tu le dis... Mais je suis pas très à l'aise avec ça. Mais maintenant, je suis totalement protégée. Alors, nous pouvons commencer. Ces biscuits au sucre vont aller dans ta boîte. C'est délicieux, mais un peu dur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si c'est des briques tombaient sur ma tête. Ouais, c'est une bonne chose que j'ai porté un casque. Oh! Ouais! Des biscuits au sucre! Il y en a un entier. Ouais, il y a un sort de clou. Ça signifie que tu dois couper ce biscuit en 30 secondes. Au fait, ça marche. Pourquoi j'appuie sur ce bouton? Si je vais pas réussir, je vais perdre. Je dois faire plus d'efforts. Je ne veux pas être puni. Oh, stupide de clou. Bon, c'est plus rapide. Vas-y, Quentin, allez. Oh non, je l'ai cassé. T'inquiète pas. Je pense que t'as fait des efforts. Mais ça va pas t'aider. Oh non. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est des égouts. Oh non, je vais puer pendant les lustres. Mais c'est ta propre faute. Tu n'aurais pas dû perdre. C'est la fin de l'histoire. Alors, qui sera la première? Marie, c'est toi. Félicitations. Je vais tout préparer maintenant. Je n'aime pas attendre. Je pense que j'ai juste appuyé sur le bouton. Alors, c'est quoi ça? Oh, je comprends pas. Pourquoi Kate a poussé sur le bouton? D'accord, c'est ton choix. Rien ne se passe. Oh non! C'est du coca. J'adore. Je veux plus. Oh, c'était le bon choix. La chance est de mon côté. Mais pourquoi c'est que? Je veux plus. Kate, tu me surprends. C'est effronté de ta part. Mais bon, je vais devoir trouver quelque chose. Je me demande de plus. Oui, ça a marché. J'ai dû acheter une plus grande bouteille. C'est tout, je n'en veux plus, merci. C'est assez. Il y a déjà trop de coca. Désolé, mais il faut que je verse tout. Je vais m'étouffer. Laisse-moi sortir. Waouh, je pense que c'est très mauvais. Elle est comme un poisson dans le coca à la poisson. Tiens, bon, ok, je sais ce qu'il faut faire. Nous allons avoir une explosion et tout le coca va se déverser. Et tu seras libre. Prépare-toi. Pourquoi il y a autant de mousse? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mon nez est tout mouillé. Tu vas bien, Kate? Je comprends pas. J'ai respiré de plus en plus. Je suis heureux que nous ayons réussi à traverser cette épreuve. Je te laisse un peu tranquille, je dois aller chez Marie. Je suis déjà là. Super. Il est temps de faire un choix. J'appuie sur le bouton jaune. Qu'est-ce que c'est? C'est bien, c'est logique. Je vais avoir besoin de pistolet à bulles. Prépare-toi, Marie. C'est parti! Comme c'est beau! Ouais! Je crois que je suis dans un conte de fées. Je suis content que t'aimes ça. Mais ce n'est pas encore fini. Continue comme ça, Zach. Ça me semble éclater des bulles. Il faut aussi organiser une fête de la mousse.
Je pense qu'elle est un peu ennuyeuse. Eh bien, nous n'avons plus de mousse dans le pistolet. Si t'aimes tellement ça, je vais tout verser dans une seule fois. C'est à toi, Marie. Pourquoi il y a tant d'eau? Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes bulles? Je ne peux rien voir. Et la mousse m'est entrée dans les yeux. Désolée, ça ne pouvait pas durer éternellement. J'ai dû y mettre un gros terme. C'est tellement glissant ici. Je crois que je ferais mieux de ne pas bouger. C'est le bon choix. Je te propose de te reposer. J'ai hâte de continuer. Je suis prête à appuyer sur le bouton. J'aime le bleu. Super! C'est parti! Je suis en route, Kate. T'inquiète pas, t'as encore de la chance. J'ai préparé une énorme fournée de marmelade douce et délicieuse. J'ai envie de la manger moi-même, mais je ne peux pas. C'est tout à toi. La chance m'a encore souri. Super! Je commence vraiment à aimer ce challenge. Les marshmallows sont si aériens, super! Ça va bien? Waouh! Quel appétit! Je suis prête à manger de la marmelade pour toujours! C'est si bon d'en avoir autant! Merci, Zach! Toujours à ton service. En fait, tu ressembles beaucoup à un hamster avec tes joues farcies. Très bien, j'y vais. Marie, attends! J'ai presque décidé du bouton. Je dois me concentrer et viser juste. Le bouton vert, c'est génial. Il y a des nachos épicés qui se cachent derrière. Waouh, ça a l'air intimidant. Ma langue est en feu rien qu'en la touchant. Je ne t'envie pas, Marie. Tu joues avec le feu. Ouvre la bouche en grand. Waouh, ce sont des nachos. C'est très cool. Alors, j'ai eu de la chance aussi. Zach, ne regrette pas. Lance tout. C'est un joli croquant dans la bouche. J'en veux encore et encore. Je pense que la réaction est sur le point de commencer. Du feu! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait si chaud ici? Je brûle! Je n'aurais pas dû me tenir si près! Le feu, c'est génial. Il est temps de faire griller mes marshmallows. Ça a bien tourné. Merci, Marie. Je crois que je me sens un peu mieux. Je dois m'allonger. La guimauve est devenue si douce et tendre. Je suis ravie. Je me sens un peu froissée et grillée. Je suis contente que ce soit terminé. Qu'est-ce que tu fais, Kate? Je me suis enfin nettoyée, nous pouvons continuer. Kate a presque fait le choix. Génial! Donnez-moi une seconde de plus, je n'arrive pas à me décider. C'est ça, c'est cliqué. Non, please. Tu n'as pas à t'en quitter autant, t'as de la chance. Oh, vous regardez déjà? Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'adore le Nutella. C'est ça, je ne mangerai pas une autre goutte. C'est pour Kate. Sers-toi. Pourquoi est-ce que c'est coulant? Qu'est-ce que c'est? J'ai compris, c'est le chocolat. T'arrêtes pas, Zach. J'ai une idée de faire le sandwich sucré. Heureusement que j'avais du pain grillé sous la main. C'est si doux. C'est génial. J'ai juste le prendre et le tremper dans du chocolat. Quel énorme sandwich c'est. C'est le bon moment pour le manger. Je n'ai rien trouvé de mieux. C'est délicieux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Kate? Je suis absolument heureuse. Merci, Zach. Je suis content, mais je comprends toujours pas pourquoi t'es couvert de tranches de pain. Honnêtement, ce n'est pas la vue la plus agréable. Assez de bavardage, Kate. C'est mon tour. Tu vois que t'as déjà fait ton choix. Eh bien, maintenant, toi et moi allons faire des beignets. Tu dois d'abord prendre la farine. Arrête! Je n'aime pas la farine. Ça me donne envie d'éternuer. Maintenant, nous allons avoir besoin d'œufs. Je suis en train de les craquer maintenant. What? Des œufs? Tu te moques de moi? Le lait est super aussi. Mais c'est ce que dit la recette. Nous ne devons pas nous écarter. Voyons voir ce que nous avons d'autre. Oui, il est temps de tout fouetter. Oh oui, passez le fouet.
What? Oh my God! Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a du fer qui sort de ma tête. J'ai presque oublié, nous avons besoin de glaçage. C'est la touche finale. Je verse. Oh non, comme c'est coulant! Je n'aime pas du tout ça. Et bon, je pense que nous avons fait tout ce que nous devions faire. Je n'ai pas l'intention de tolérer ça plus longtemps. Marie, tu vas où? Ah, oh, je me suis souvenu d'utiliser les paillettes de pâte. Mon Dieu, c'est magnifique. T'es magnifique, toi. Merci, mais ça m'énerve quand même. Et je pense que ça a bien tourné. La seule bonne chose à son sujet, c'est que ce soit délicieux. Miam. Ça devient ennuyeux ici. J'en ai assez d'attendre. Qui est à cliquer? Super! En route! Cette fois, le livre de comptage va m'aider. Ça m'a demandé d'appuyer sur ce bouton. Le plaisir commence, enfant! Je suis si heureux! C'est magnifique à faire bon chez Kate en ce moment. J'espère qu'elle ne se rend pas compte que ce sont des jouets. Attendons une seconde, j'ai presque oublié quelque chose. Nous devons mettre un vrai pour que ce soit crédible et qu'elle l'achète à coup sûr. Viens ici, mon petit bébé. Très bien, maintenant nous sommes tout prêts. Commençons. Qu'est-ce qu'il y a? J'attends. Oh, ça ressemble à de la terre. C'est dégoûtant. Je n'aime pas du tout ça. Bien. La terre. J'espère que c'est la forme de tout ça. C'est impossible! C'est plein de cafards! Il faut les faire sortir d'ici! Laisse-moi sortir d'ici! J'ai peur des insectes! T'es pas censé sortir, c'est contre les règles! Retourne dedans! C'est ça, c'est une autre chose, ça! Je ne veux pas être ici! C'est moi ou les cafards sont fous? Oh, c'est vrai! J'ai peur pour rien! Je peux me détendre! Essaye de me faire peur, Zach! Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il y a un cafard sur ma tête qui bouge! Oh non, ce n'est pas le cas. Pas ta ombre. Prends ça, prends ça. Oh, j'ai des vertiges. Je me sens malade. Hé, hey, mon pote. Je suis heureux que tu sois sain et sauf. Bien ici, tu m'as été d'une grande amie, merci. Bien joué. Mon choix doit être aussi précis, exact qu'un coup de feu. Je n'ai qu'en marge d'erreur. Alors, qu'est-ce que c'est? Et il est temps de se rafraîchir. J'ai déjà apporté de la neige. Supporte-moi, Marie. Il fait si froid que j'ai dû me réchauffer. C'est à toi. Prends ça. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il fait si froid. Mais c'est pas de la neige. C'est magnifique. Mais je commence à geler. J'ai une idée. Nous avons besoin de nous envelopper dans une couverture tout de suite. C'est beaucoup mieux. J'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Je vais devoir porter un chapeau chaud. Heureusement que je l'ai apporté avec moi. C'est parfait en ce moment. C'est ça, c'est bien. Je me réchauffe. Eh bien, nous pouvons jouer. J'aime la neige. C'est tellement amusant que ça me met dans l'ambiance du nouvel an. Encore de la neige? Super. Continue à faire du bon travail. Puisque t'aimes tant les activités hivernales, je propose que nous jouions aux boules de neige. Ce n'est pas une mauvaise idée. J'en suis. Fais attention. Quel lancer précis! T'es une vraie pro! Marie, tu veux bien arrêter? Je commence tout juste à être un gougou. Quelle que soit ton habilité à esquiver, tu dois te préparer correctement. Je suis prête à faire mon lancer décisif! Wow! Ta boule de neige ne m'a pas touchée! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? D'où vient la neige? Bien joué, Marie! T'as frappé juste! Kate! Je pense que ma couleur préférée est le rouge. Excellent choix. Ce bouton particulier te donnerait d'ennui. Bien ordinaire, mais avec le pion fort. Si on t'y dit. Oh, attention. Je ne pensais pas que le pion venait qui comme ça. Maintenant, je suis tout à fait excellent. Ce n'est pas grave. C'est quand même très bon. Pour bien la manger, j'ai besoin des baguettes. Sans les baguettes, c'est pas des nouilles. Oh, c'est bon et cool. Je m'assois, je mange des nouilles. Qui
au passage sont très dépicés. Je suis en feu. À l'aide. Oh, je crois que nous avons un incendie. Nous allons tous brûler. Oh, pas du tout. Je pense que je peux éteindre ces flammes très rapidement. J'ai un extincteur. Je suis déjà sortie moi-même. Tu ne fais qu'à déverser ces pneus sur moi. Combien est en l'eau? Oh non. Ah, l'important est de le faire sortir. Trop de mousse. Qu'est-ce que je dois choisir? Je pense que le karaté va m'aider pour ça. Kia! Excellent choix. Wendy, allô? Pétillant. J'adore le pétillant. J'espère que toi aussi. Oh, quelque chose de lumineux. Et c'est délicieux. Quel plaisir de manger. Et ça grésille. J'adore. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Il y en a tellement. C'est trop de bon. Il faut une douche. Plus il y en a, mieux c'est. C'est délicieux. C'est aussi très bruyant. Ce n'est pas seulement vraiment très bruyant, mais c'est vraiment, vraiment grésillant. Oh, c'est magnifique. Des vrais feux d'artifice. Comme à la fête. Quelle différence de choisir. Je ne sais même pas ce qu'il y a derrière ces boutons. Excellent choix. Cette fois, ce sont des rouleaux de papier toilette qui t'attendent. Moi, je pensais que ce serait juste de la nourriture. Non, ce n'est pas le cas. Il y a tout un tas de papier toilette qui t'attendent. Ah, une énorme pile. Oh my god! Combien on doit manger pour aller aux toilettes comme ça? Oui, toilettes. Je pense qu'une tasse irait parfaitement avec le papier toilette. Si tu mets de la pâte de chocolat sur le papier toilette, Suzy sera certainement choquée. C'est une farce très drôle. Oh my god! Bon, il n'y a plus de papier, hein? What? Et alors, Suzy? Voilà ta friandise. What? La friandise? Oh. Ah, c'est du caca! Pourquoi je voudrais ça? On dirait que Wendy attend aussi un cadeau en chocolat. What? Oh, qu'est-ce que c'est? Devine! Je crois que j'ai compris. Ça sent vraiment bon. De plus, le chocolat a aussi un bon goût. J'avais oublié. Je dois appuyer sur le bouton. T'as de la chance. C'est le bouton qui te donne accès à l'argent. Félicitations, c'est une très bonne victoire. Je suis d'accord, je suis chanceuse. Maintenant, je suis riche. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? T'as appuyé sur le bouton. Et quelle chance pour toi, c'est le bouton qui te donne de l'eau. Ah. Oh, les patrons, les bons. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des poissons ici? Je ne m'attendais pas à ça. Oh non, mon argent s'est tout mouillé. Oh non. Ah, il y avait de l'argent et puis voilà, pas d'argent. Ah, t'en voudrais quoi? Oh, je ne vois pas. Je sèche l'argent. Et t'es plus intelligente que je le pensais. Qu'est-ce que je dois appuyer cette fois-ci? Je pense que je vais appuyer sur le bouton vert. Ah, t'as de la chance cette fois-ci. Parce que sous ce bouton, il y a de délicieuses guimauves qui t'attendent. Très savoureuses et très pâteuses. Même trop.
Vas-y, attrape. Qu'est-ce que ça va être? C'est quoi ça? Une vraie chute de neige. Et à partir de ma guimauve préférée. C'est tellement beau. C'est comme les verres de Toto. Alors t'aimes? Bien sûr que j'aime ça. Non seulement c'est très joli, mais c'est aussi très savoureux. Les guimauves sont géniales. Okay, here we go. Je les adore. Ils sont délicieux. Juste magnifiques. Génial, hein? Les guimauves sont délicieuses, bien sûr. Mais si j'obtiens les sécheux, ce sera aussi très amusant. C'est délicieux. Et c'est aussi très chaud ici. C'est bizarre, ce n'est pas du tout l'été. Ça devrait être le contraire. Et il devrait être froid, non? Hé, tu fais quoi là? What? C'est un cadeau supplémentaire pour toi. Un peu de chaleur. Pourquoi faire? Je marche pas le sang en train de fondre. Stop! Please stop! Quoi? Arrêtez! Non, je ne m'arrêterai pas. S'il te plaît, arrête! Hey, il se transforme déjà en quelque chose d'horrible! S'il te plaît, s'il te plaît! Ne crie pas, je me suis déjà arrêtée. T'aimes pas? Alors, ces guimauves ne ressemblent pas seulement de la neige, mais elles vont aussi très coulantes! Je suis couverte de cette substance blanche. Regarde ce que t'as fait! Je pense que c'est drôle. Oh! Qu'est-ce que t'as fait? Je veux manger! Miam miam! Quel bouton choisir? Je pense qu'il est temps pour le bleu. Oh, bon choix! Tu vas vivre quelque chose de très spécial. Avant de te nourrir, j'ai besoin de me sécuriser. Il y a tout un tas de délicieux fromages qui t'attendent. Et le bleu est incroyable. Saisis, t'es prête pour ta prochaine friandise? Si c'est le cas, voilà! Bon appétit! J'espère que tu vas aimer ça! Qu'est-ce que c'est? Et voilà, on peut... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le fromage puant! Oh, je vais vomir! C'est quoi cette odeur? Hey, you. Je ne peux plus respirer dans cette boîte! Alors, vous aimez ces cadeaux? Est-ce que ça sent bon? J'ai essayé! J'ai passé toute la journée à choisir le plus horrible des fromages. Il semble que mes efforts n'ont pas été vains. Alors, vous aimez l'odeur? Je vois que vous l'avez bien senti. Je peux aussi vous fournir des masques tissus. De l'air! De l'air frais! Enfin! J'espère avoir de la chance. Je vais essayer quelque chose de vraiment savoureux. C'est ton choix et le bouton jaune. Alors, tu vas te régaler un jaune. Laisse-moi juste faire sortir les abeilles d'ici. Et dès que je l'aurai fait, il y aura tout un baril de gros miettes frais et sucrés. C'est vraiment frais. C'est tellement délicieux. Et c'est tellement persistant. Je pense que c'est assez. Il est grand temps que tu aies un peu de ce magnifique miel. Qu'est-ce que ça va être? Mamma mia! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est si cool? J'ai l'impression que cette bouillie s'est répandue dans tout mon corps. Mais c'est très bon. Vas-y, goûte. C'est vrai, c'est bon? Allez. Oui, c'est pas mal du tout. Oui, je suis très contente qu'il y en ait beaucoup. Je peux manger, manger. On peut nager dedans. Là où il y a du miel, il y a des abeilles. Je suis forte. C'est pourquoi je vais m'occuper de ces créatures volantes très rapidement. Allez, je pense que t'as appuyé sur les boutons. Je pense que t'as besoin de plus de cadeaux. Les idées plus seraient parfaites en ce moment. Tiens ça. Vas-y, tiens. C'est quoi? Pourquoi il y a toutes ces plumes? Je deviens blanquement comme Yeti. Je n'aime pas du tout ça. Et ce n'est pas encore fini.
En plus de tout ça, il y a du lait blanc qui t'attend. Je sens que t'as besoin avec du miel. Arrête de te moquer de moi. Ce n'est pas drôle. Je ne me suis pas encore moqué de toi. T'as appuyé sur beaucoup de boutons. Alors voilà ce qui t'attend. Voilà le pop-corn. J'adore le pop-corn. Il est tellement bon. Oh, c'est beaucoup plus intéressant que dans les films. Alors, le pop-corn sera parfait. Oh, c'est ce que j'appelle de la chance. J'ai vraiment le pop-corn. Je pourrai en manger tout le temps. Parce que c'est la chose la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. Quoi, tu y es ? Je veux pas les abeilles. Peut-être le verre. Tu n'aurais pas dû appuyer dessus. Tu sais même pas ce qui t'attend. Et voilà des petites choses très mignonnes qui t'attendent. Généralement, les cafards. J'en ai pas mal. Ils ont leur propre maison. Voilà. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi j'en ai besoin de la terre ? Quoi ? On ne connaît personne qui mange de la terre. Alors pourquoi je devrais le faire ? Tellement de terre. Non, please. Oh, cafard. C'est ma plus grande peur. Tout sauf eux. S'il vous plaît, s'il te plaît. Ils vont s'entendre. Non, c'est partout. Aidez-moi. Au secours. Je n'en peux plus. Voilà, c'est assez. Quoi? C'est contraire aux règles. What? T'as ruiné une boîte parfaite. Uh-oh. Comment t'as réussi à faire comme ça? Je n'arrive même pas à prendre une telle position. Bon, d'accord, je vais le réparer. Waouh! Une sucette? Ça sera certainement très savoureux. Je suis une sucette, mais elle est aussi très grande. Est-ce que c'est un gros morceau? Oh, regarde ce que j'ai! Ça ne tient même pas dans une assiette. C'est cool, n'est-ce pas? Les filles, je crois que je suis amoureuse. Prince pour que je mange en première. Yeah. Au moins, je vais avoir de la chance. La sucette, ce n'est pas seulement délicieuse, mais aussi très amusant. Même si, bien sûr, jouer n'est pas aussi cool que de le lécher. Dommage qu'il soit si petit. Il s'épuise si vite. Monica, maintenant, tu peux te mettre à manger. J'adorerais. Mais je ne vais pas simplement le lécher, j'ai pensé à quelque chose de plus cool. Maintenant, je n'ai pas une grosse sucette, mais tout un tas de petits bonbons savoureux. N'est-ce pas amusant? Les filles, vous n'avez pas idée à quel point je suis heureuse. Oh oui, c'est vraiment délicieux. Oh, je peux très bien imaginer. Je ne serais pas contre une barre chocolatée. Oh, comme c'est appétissant. Et voilà. J'ai fini, maintenant c'est ton tour. Oh, c'est étrange. Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Elle semblait vraiment être tombée amoureuse d'une sucette. Cela signifie qu'elle l'est à nous. Qu'est-ce que vous avez fait? Qui a dit que vous pouvez toucher mes bonbons? Donnez-moi tout ce que vous avez volé. Kedjedi, donne-moi tout! Les filles, je vais devoir utiliser la magie pour remettre les bonbons en forme. Voilà, ma sucette. Elle est sauve. Je ne vais pas donner à quelqu'un. C'est même interdit de regarder ma sucette. T'es une paradine? Oui, il faut partager avec les amis. Oh, c'est bizarre. Oh, je crois que je suis collée. Mais pourquoi? C'est pas froid. Oh! Voilà, c'est ce qui arrive quand on devient radine. Oui, mais regardez combien de sucettes nous avons. Ouais!
les filles, j'ai un seau entier de verres savoureux. C'est cool, hein? J'ai pas un seau, mais ce n'est pas mal non plus. Je n'ai qu'un seul verre. Bon, les filles, vous avez la permission d'être jalouses de moi. Pourquoi être jalouse? Nous avons aussi des friandises. Peut-être que j'ai qu'un seul verre, mais il est aussi très savoureux. Et on peut jouer avec. Bon, PG. Je me demande qui je vais attraper avec de la marmelade. Les filles, ne faites pas de bruit et ne priez pas les poissons. Ouais, j'ai attrapé quelque chose. Waouh, c'est vraiment un poisson. J'ai attrapé un poisson de marmelade sur un verre de marmelade. Mais c'est encore plus cool qu'un modèle normal. Ce poisson est brillant, doux et très savoureux. Il a déjà réussi à engloutir mon verre, d'ailleurs, alors je vais le manger aussi. Waouh, cool! Absolument. Alors j'ai aussi beaucoup de chance. Lucie, c'est à ton tour de manger des verres. Eh bien, je suppose que je ne vais pas les manger non plus. Kate, tu peux me prêter ta canne à pêche? Je vais aussi apprendre à pêcher. J'espère pouvoir attraper un sac entier d'ourson en gélatine. Où tu vas attraper un... Kate? Il faut surveiller la peau, il pourrait être volé. Quoi? Oh, maintenant, les verres sont partis. Kate! On t'a à toi! Remets mes verres à leur place! Oh, si tu le veux! Oh, Kate! Oh, tiens! Kate, on t'a à toi! Tu les as bavés dessus! Maintenant, j'ai plus envie de les manger. Monica, vas-y, mange. Bon, vas-y, il est vraiment temps. Je n'ai pas besoin de pêche. Je préfère simplement manger ces délicieux verres. Les filles, c'était un beau. Il faut tout manger. L'essentiel est d'entasser la quantité maximale dans la bouche. Alors personne ne les volera. Comme c'est bon! On peut essayer? Non! Je ne vous laisserai pas toucher ces incroyables verres! Lucie, j'ai une idée de la façon dont nous pouvons donner le soin à ces gourmandes. La sauce piquante nous aidera à le faire! Super idée! Je me demande ce que ça fait de manger de la marmelade épicée. Je pense que Monica l'adorerait. C'est fait! C'est tellement bon! Cela te donne juste envie de manger, de manger, de manger. Je pense que... quelque chose ne va pas. Pourquoi c'est si chaud? Ah! Notre père s'est pensionné. Maintenant, Monica va apprendre une leçon pour la vie. C'est pas bon d'être gourmande. Alors c'est à cause de vous que j'ai failli être réduite en cendres. C'est à cause de vous que mes verres ont fondu. Tenez! Vous avez l'air mieux maintenant. Le bleu vous va bien. Pourquoi j'ai la plus petite bouteille? Parce que j'ai la plus grande. J'espère qu'il y a quelque chose de vraiment savoureux à l'intérieur. J'ai une bouteille plus petite, mais je suis sûre qu'il y a des trucs aussi délicieux. Ma bouteille ne peut tenir que dans mes doigts. Ce n'est pas juste. Alors je serai la première à la boire. J'espère que ce n'est pas jaune parce qu'il y a du jus de citron à l'intérieur. Mais c'est de la gelée! La gelée est toujours délicieuse. C'est délicieux. Waouh, cool. Les filles, c'est vraiment délicieux. Je suis prête à manger cette gelée pour le reste de ma vie. Mais malheureusement, elle a disparu. Pourquoi j'ai été traitée si cruellement? Alors tu t'es mal comportée. Et j'ai une grande bouteille.
Et je suis sûre que ma gelée violette est bien plus savoureuse que ta gelée jaune. Comme c'est bon. Je n'ai jamais goûté une gelée aussi délicieuse auparavant. Elle a saveur des baies sauvages. Je suis prête d'avoir un entier. Lucie, je te comprends. J'aime trop. J'ai mangé si vite la gelée, il me reste que le tout dernier fond de la bouteille. Je dois de les couper. Mais ce n'est pas si difficile. Ouais. Comme c'est bon. Kate, j'adore comment tu mets tes doigts dans la bouteille. Ouais, je ferai tout pour de la gelée. Waouh. C'est tellement appétissant. Oh, je pense que... Non, mon doigt est coincé. Quelle bouteille stupide. Vas-y, sors. Oh, oh. Je pense que j'ai été laissée sans gelée. Mais c'était quand même très bon pour moi. Et alors, Monica, maintenant c'est à ton tour de manger. Je vais enfin pouvoir découvrir à quel point la gelée est délicieuse aussi. Ah! Non, la beauté fait vraiment mal. En plein dans le mille. Je pense que je peux gérer ma gelée mieux que toi. J'en ai plus. Je peux juste l'extraire par pression. Stop! Pourquoi je ne peux rien faire? C'est censé de s'écouler. C'est de la gelée, c'est doux et souple. Allez! Oui, je pense que ça marche. Ça sort de la bouteille. Il ne reste plus qu'à le mettre à l'arrière. Oh, je pense que ça marche. Les filles, je suis au paradis. C'est dommage qu'une bouteille aussi énorme ne soit pas suffisante aussi. J'en veux encore et encore. Mais c'est vraiment bon. C'est un peu cool, hein. Mais il n'y a rien de mal à cela. Oh, Yana! Oh, mes mains sont collées! Non, mais qu'est-ce que je vois? Ah! Monica, nous ne savons pas comment vous aider. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Et je vais bien. C'est vrai, j'ai dû faire un peu confiance à la table. Mes mains sont toujours collées dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Monica, la table ne font plus qu'un. Oh! Oh non! C'est du piment! Oh! Monica, au moins t'as eu de la chance avec la taille de la portion. Y a rien à faire. On va devoir boire ce mélange de feu. C'est un challenge chaud. Ma tête est même en ébullition. Oh, come on! Maintenant, c'est mon tour. Épicé. Urgent, j'ai besoin d'un antidote. Le lait fera l'affaire. Oh, c'est plus facile maintenant. Les filles, vous pouvez vous passer de moi? Pas question, Lily. Bois ta boisson. Appelez les pompiers! T'inquiète pas, Lily. Nous pouvons nous débrouiller sans eux. Merci. Les écarts de température sont trop importants. Un tel petit bois-bu-bois, ce n'est pas juste. Oh, j'ai pas besoin de ciseaux. Mais le chewing-gum est tout aussi délicieux. Ça tient parfaitement dans ma bouche. Je peux imaginer quelle énorme bulle mon Ubba Booba ferait. Les ciseaux sont très pratiques.
sorcière. Ah ah. Lily, laisse-moi t'offrir une autre part. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je vais éclater. Oh my god! Oh, je suis une gomme fantastique. Viens ici, ma chérie. Quoi? Non, j'ai dit bien ici. Ok, here we go. Ah, t'es là. Oh non! Gotcha! Et les filles? Pour un morceau. Wow! C'était évidemment trop. C'est mieux. Oh my god! C'est tellement bon! Wow! Monica, tu vas où? Le challenge n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? Coucou! Je pense que je l'ai eu. Wow! Oh, de la marmelade! Nous avons juste besoin de l'augmenter de taille un peu plus. Awesome! Regardez ça, un masque de beauté comestible. Maintenant que je suis encore plus jolie, je peux avoir un rafraîchissement. Bravo. Pratique et très savoureux. Je me demande ce que j'ai eu. Quelque chose de très lourd. What? Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Oh. Ça, c'est la taille. C'est l'heure du milkshake à la marmelade. Très rafraîchissant. C'est pour un apéritif. Tout le monde, préparez-vous. Feu d'artifice de marmelade. Je pense que je l'ai mérité. C'est délicieux. Je ne peux pas m'arrêter. Au revoir, le régime. Tu sais, je suis même contente qu'on soit là. Oh. Oh non, je retire ce que j'ai dit. Le cactus a gâché toute l'impression. Tu n'aurais pas dû le toucher. Yes. Je vais le rendre complètement inoffensif maintenant. C'est parti. Regarde où tu jettes les aiguilles, Kate. Aïe, ça fait mal. C'est fait. Maintenant, ce cactus n'est pas effrayant à essayer. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est, Kate? Un énorme cactus. Cauchemar. Et c'est tout à toi. C'est effrayant. Ne fais pas ça. Kate, pourquoi tu fais ça? Je voulais juste te sauver, maintenant je suis toute dans les aiguilles. Oh. Wow. Mon chewing-gum préféré. Oh my. Wow, il y a quelque chose à l'intérieur. Nous devons l'essayer. Regarde comment je peux le faire, Zach. Pas mal. Je me demande si on peut faire une bulle de chewing-gum surprise comme ça. Je vais juste le laisser ici.
C'est tellement beau. J'en veux plus. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Oh non, ma dent est tombée. Piégé. Waouh. C'est la taille. Kate, ne touche pas à mon chewing-gum. Oh, Adam. Je ne peux pas m'imaginer mettre tout ça dans ma bouche. Je suppose que l'important est de commencer. J'en veux aussi. C'est parti. Il n'y a aucune chance que cette dernière pièce rentre. Aide-moi. C'est coincé. Celui-là est si grossier. Kate, allez, tire plus fort. J'essaye. Des Mentos énormes. Quel coup de chance. Wow. Oh non. Où est ma portion? Hein? C'est tout. Oh non. Ce paquet est minuscule. Non. D'accord, je vais juste devoir manger ce que j'ai. Je suppose que je vais m'y mettre aussi. On ouvre. C'est beaucoup de bonbons. Wow. Zach ne regarde même pas dans leur direction. Je vais mettre tout ça ensemble. C'est fait. Maintenant, je tombe des touches de pastèque et un peu de coca. Zach, c'est pour toi. Je vais juste me préparer à le faire exploser. Oups. Qu'est-ce qui se passe? On l'a eu. Regardez toute cette mousse. T'aimes pas? Kit Kat, c'est tout ce qu'il faut. Où est ma portion? On ne peut même pas le voir à la loupe. Oh. Partage avec moi. Oh, s'il te plaît. T'es si mignon, Zach. Très bien. Partageons la barre de chocolat en deux. Merci, Kate. Je suis d'accord, c'est délicieux. C'est sûr. Wow. Qu'est-ce que ça me fait? Génial. Wow. C'est trop cool. Zach, tu vas partager avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Non. Toutes ces splendeurs chocolatées est à moi. Nous verrons cela. Prends ça. Qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas si cruel. T'aurais dû me le dire de suite. C'est ta faute. Oh my God. Tu l'as détruit. C'est délicieux. Oh. Wow. Les bonhommes de pain d'épices. Comme c'est mignon. Ils sentent vraiment bon la cannelle. Vas-y, goûte. Ça fond dans ma bouche. Cette friandise me fait penser à Noël. C'est mon bonhomme de pain d'épices. Bonjour, beau gosse. C'est assez de lait pour que je te donne un banc. Oh non, ça ne va pas dans le verre. Je sais quoi en faire. Prenons une douche. Non. Il se fait tard, Zach. Désolée, tu es victime des circonstances. Et ça ne me fait pas sentir mieux. Mais je l'ai fait. Le bonhomme de pain d'épices est trempé dans le lait. Les Skittles sont tombés du ciel sur moi. Wow. Je dois les essayer tout de suite. J'adore ces bonbons. Ils sont si brillants. Maintenant, c'est mon tour. Oh my God! Pousse-toi, Zach. Regarde la taille de ce paquet. Je vais avoir besoin d'une échelle pour essayer les bonbons. Wow. J'en suis.
C'est comme une piscine géante de Skittles. Je suis sur le point de lui plonger aussi. Pose-toi, Kate. Waouh, cet endroit est vraiment cool. Dites-moi que c'est des rêves. Je veux une énorme pizza. Pas cette petite souche. Et moi, je vais bien manger ça. Désolée, mais il n'y a plus rien. Peu importe, j'ai quelque chose de mieux. Je savais qu'il t'aurait une énorme pizza. C'est génial. Je vais la rouler et la manger. Ah, ça fait mal. Oups, désolé Kate. T'as failli me tuer. Il faut manger le stress. Donne-moi la pizza. Je crois que je l'ai déchirée. Mais c'est pour le mieux. Maintenant, tout le monde a de la nourriture. Je suis d'accord. Je pense que nous en avons assez.